Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. On vous retrouve aujourd'hui avec les top et flops de janvier. Et on va commencer avec un film dont on avait parlé dans les précédents top et flops, qu'on n'avait pas encore regardé, donc maintenant c'est fait. Il s'agit de À couteau tiré, qui est disponible sur Netflix. En fait, Netflix a produit la suite de ce film, et donc nous on avait regardé le 2 sans savoir que c'était un 2, et qu'il y avait un 1. Et du coup on a regardé donc le premier film À couteau tiré, qui est trop bien. Et qui effectivement était bien meilleur que le deuxième, ouais. Que déjà on avait trouvé distrayant. Oui, le deuxième on avait bien aimé. Et en fait j'avais eu un commentaire sous la vidéo des top et flops d'une abonnée qui me disait qu'elle avait été déçue par le 2. Parce qu'elle avait adoré le premier et que par rapport au premier c'était vraiment beaucoup moins bien. Et on est assez d'accord au final. On se dit que si on avait regardé dans l'ordre le premier puis le deuxième, on aurait sûrement nous aussi été un petit peu déçus par le deuxième. On aurait fait un commentaire en tout cas beaucoup moins positif sur le deuxième, c'est certain. Et donc pour le pitch, c'est une histoire de meurtre, en fait c'est une enquête à la Agatha Christie un petit peu, voilà, on a Daniel Craig qui fait un peu office d'Hercule Poirot quoi. Et l'histoire est très originale, c'est un huis clos, ça se passe dans une maison avec une famille et tout, et bon bref, voilà, c'est hyper bien. On va pas trop en dire sur le scénario, mais c'est bien raconté, c'est bien amené, enfin c'est... Plein de rebondissements qu'on voit pas du tout venir, vraiment le dénouement... Non, c'est très bien écrit, c'est très bien écrit. On voit pas du tout venir, c'est vraiment très bien. Ensuite, on a regardé également un autre film sur Netflix, encore une fois, qui s'appelle Marguerite, avec Catherine Trot dans le rôle principal. C'était sorti au cinéma il y a quelques années. Et donc dans ce film, Catherine Trot joue le rôle d'une dame très riche, qui a une passion pour la musique, et qui du coup fait du mécénat et qui finance des activités musicales, etc. Ça se passe au début du XXe siècle. C'est au début du XXe siècle. Et comme elle est passionnée de musique, elle chante et elle donne des récitals chez elle. Et elle chante horriblement faux. C'est de la musique d'opéra. Elle chante extrêmement faux. Elle s'en aperçoit pas, elle le sait pas. Et comme elle est riche et qu'elle arrose tout le monde, personne ne le lui dit. Et voilà, c'est le point de départ, c'est le point de départ du film. Il y a plein de péripéties qui s'en suivent. Moi, j'avais vu au cinéma, je l'ai revu avec plaisir. Mais on l'avait déjà vu. Mais bien sûr qu'on l'a vu ensemble. Bah oui, je pense, mais moi je l'ai pas vu au cinéma. On avait déjà dû le regarder sur une plateforme. Peut-être. Enfin, en tout cas, moi je l'avais déjà vu. Et Valérie aussi. Et peut-être qu'on l'avait vu ensemble ou pas, on ne saura jamais. Mais voilà, en tout cas, moi je l'ai revu avec grand plaisir. Et toi aussi, je pense. Bah oui, c'était vraiment très bien, ouais. Ensuite, je vais vous parler d'un livre, puisque j'ai lu « Je suis une légende » de Richard Matheson. Donc, c'est un livre qu'on a dans notre bibliothèque, mais qui vient de Nico, qui donc, a déjà lu ce livre il y a longtemps et qui adore ce livre, n'est-ce pas ? Absolument. Et vous connaissez peut-être le film qui est sorti il y a quelques années avec Will Smith, qui est donc le film tiré du livre. Et alors moi j'avais vu le film, d'ailleurs on l'avait regardé ensemble pendant un des confinements là, donc on l'a regardé sur les deux dernières années. Et moi j'avais pas lu le livre, je connaissais pas l'histoire du livre, et Nico avait passé tout le film à râler sur le livre, n'est-ce pas? Est-ce que tu veux nous parler de ce film? Ce film est une bouse qui trahit complètement le propos du livre, qui en reprend la trame, mais en faisant l'effort de lui retirer tout ce qui en fait l'attrait et l'originalité. Donc ce film transforme un excellent roman en une histoire médiocre. Et c'est une bouse. Voilà, je déteste ce film, c'est une honte. Et donc effectivement, bon, le film est pas oufissime. Disons que si on connaît pas le bouquin, on va trouver que le film est très moyen. Il est assez quelconque, mais effectivement, maintenant que j'ai lu le livre, je comprends le propos de Nico, parce que le livre est vraiment très bien. Enfin, c'est hyper sympa. Donc c'est de la science-fiction, en fait, on est dans un monde post-apocalyptique où... il y a un virus qui a transformé tout le monde en... Alors, on parle de vampires dans le livre. Bon, ils sont quand même mi-vampires, mi-zombies. Hein. Et alors, moi, je suis pas très histoire de vampires, zombies, tout ça. Le livre raconte l'histoire d'un humain, en fait, qui est resté humain et qui essaye de survivre dans ce monde post-apocalyptique. Et en fait, voilà, on le suit. Il essaye déjà de survivre, de comprendre ce que c'est que cette maladie qui touche tout le monde et qui transforme tout le monde en vampire. Bon, voilà. On va pas en dire plus parce que... Il essaie aussi de pas devenir fou. Ouais. Ça c'est quand même un élément clé de la trame du film, du livre. Pas du film, dans le film, non.
Et donc voilà, on va pas en dire plus parce que il y a plein de rebondissements aussi dans le livre qu'on voit pas du tout venir. C'est très très bien écrit, c'est l'histoire, elle est top. Et alors la fin est absolument incroyable. C'est, je pense que c'est ça qui fait aussi l'originalité de ce livre. La fin, elle est vraiment. La fin est très bien trouvée, mais elle est bien trouvée parce que l'histoire est bien menée et bien écrite en amont. Et si vous avez vu le film, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas spoilé parce que le film prend une direction tout à fait différente. Mais si vous avez vu le film Je suis une légende avec Will Smith et que vous n'avez pas aimé, donnez sa chance au bouquin, vous verrez, c'est bien mieux. Si vous avez vu le film et que vous l'avez aimé, lisez le bouquin parce que vous allez encore plus aimer. Et si jamais vous n'aimez pas ce bouquin, il faut vous désabonner de cette chaîne et ne plus jamais regarder de vidéo. Enfin. Non, on peut sauter les vidéos top et flop. Les gens peuvent rester abonnés quand même. Non, mais il est top. C'est vraiment un excellent roman d'anticipation. Et si on aime bien le style, c'est excellent. Je suis une légende de Richard Matheson, un auteur américain. Ça a été écrit, je crois, dans les années 50 ou 60. Mais c'est excellent. C'est à présent le meilleur moment du mois, hein, on va le dire, c'est ce qui éclaire un petit peu les top et flops, c'est l'instant Vandamme. Et donc ce mois-ci, nous avons regardé, Valérie, Bloodsport. Bloodsport qui est un Vandamme un peu particulier. C'est un Vandamme du début de la carrière de Jean-Claude Vandamme, à l'époque où il n'était vraiment pas encore très connu. Et c'est un rôle qu'il a décroché un peu au culot, en attrapant un producteur à la sortie d'un restaurant à Hong Kong, et en lui faisant une démonstration de karaté. Et le mec a dit « Ah, bah, passe me voir à mon bureau demain !» Et il lui a proposé du coup le film Bloodsport. Après, c'est un film qui a un scénario très très faible, voire inexistant. Ouais. Donc c'est essentiellement des scènes. C'est un tournoi d'arts martiaux avec des scènes de combat. Il y a une vague histoire autour, mais il se passe pas beaucoup de choses. Le scénario tient sur un post-it et les dialogues aussi. Hein. Ouais, mais par contre, on y retrouve un petit peu les fondamentaux des films de Van Damme, avec des coups de pied au ralenti, du grand écart facial. Ah, Je pense que c'est le film de Van Damme où il y a le plus de scènes où il est en grand écart. Ah, bah là c'était sa marque de fabrique. Desservi, hein. Ah oui, c'est donc du grand écart statique pour s'entraîner, du grand écart en sautant pour mettre des coups de pied, dans vraiment énormément. Avec de l'acting surjoué, comme Jean-Claude Van Damme sait le faire, mais surjoué parce que c'était quelqu'un de surmotivé dans tous ses films. Et le film, en fait, d'ailleurs, a failli ne pas sortir. Parce que le scénario était pas bon et le réalisateur était pas ouf. Et du coup, le producteur, à un moment donné, a voulu tout arrêter. Et c'est Jean-Claude Van Damme qui a convaincu le producteur de continuer. Et Jean-Claude Van Damme s'est investi personnellement dans le montage et la réalisation. Et toutes les scènes où on voit des coups de pied au ralenti et où on repasse le coup de pied plusieurs fois sous différents angles, et ben ça c'était les idées de réalisation de Jean-Claude Van Damme pour redonner un peu d'intérêt visuel au film. Oui, alors quel intérêt ? Le film il est sorti d'abord en vidéo, en cassette vidéo, et il s'est très bien vendu, et après il est sorti au cinéma. C'est relativement c'est bizarre, rare. Ouais. Bah ouais. Et c'est un film qui est inspiré de la vie d'un mec qui s'appelle Frank Dux, qui était champion d'arts martiaux. Et qui était consultant sur le film. Donc Jean-Claude Van Damme joue le rôle de Frank Dux, il s'appelle Frank Dux dans le film. Et ils se sont très bien entendus, ils ont beaucoup échangé, Frank Dux a beaucoup guidé Jean-Claude. Mais quelques années plus tard, Frank Dux a fait un procès à Jean-Claude Van Damme parce que Jean-Claude a tourné un autre film qui s'appelle Le Grand Tournoi. Et Dux a accusé Jean-Claude Van Damme d'avoir fait un remake de Bloodsport, donc c'est inspiré de sa vie, mais sans avoir payé les droits. Et peut-être bien que le mois prochain, on regardera ce second film, celui qui a valu le procès à Jean-Claude Van Damme. Peut-être bien qu'on regardera Le Grand Tournoi. Attention, teasing. Teasing, exactement. Il y a beaucoup de storytelling dans les top et flop et dans ton instant Van Damme. Est-ce que tu as aimé ce film, Valérie ? Je dois vraiment répondre à cette question. Mais après tous les Van Damme que je t'ai fait regarder, est-ce que tu sens pas l'étincelle de quelque chose ensuite qui se développe dans les films suivants que tu as vus ? Est-ce que tu sens pas la filiation entre ce film et les suivants ? Non. J'ai fait les meilleurs efforts du monde, hein, pour t'amener à voir ce film au bon moment et à ce que tu puisses comprendre son contexte. Et je suis très déçu de ta réponse et de ta réaction. Désolé. Bah, tu peux.
Et voilà, c'était nos top et flop de janvier. Comme d'habitude, dites-nous dans les commentaires quels sont vos top et flop en ce moment et si vous connaissiez ce qu'on vous a présenté, ce que vous en pensez. Et voilà, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Nico, on te retrouve le mois prochain pour les top et flop. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo DIY. Bye bye, bye.